Toi, tu sais que c'est lui. You know that this. Tu sais que c'est un mauvais grain. It's not. Tu sais qu'il est pas bon et qu'il marche à lui. It's not good, and you're working with him. Tu t'attends à quoi? What are you waiting for? La trahison. La trahison va te livrer. Alléluia. Même dans vos relations, vérifiez véritablement. Even in your relations. Si vous constatez qu'il n'est plus avec vous, you have to testify that. Séparez-vous de cette personne. If that other person is with you. Regardez les femmes. Look at women. Quand Jésus est mort, when Jesus died, elles sont allées. They went. Même au tombeau de Jésus. At the burial place. Elles n'ont pas lâché. They didn't leave Jesus. Même dans vos difficultés. Even ceux qui sont toujours avec vous, those with you, sont vos vrais amis. Are your real friends. Amen. Amen. C'est quand tu rencontres des difficultés. When you meet problems. Oui, Dieu te permet de rencontrer ça. Yeah, God can permit it. Le visage de ceux qui sont toujours. Just to know the face of the person with you. Quand Jésus est tombé, when Jesus fell down, elles n'ont pas lâché Jésus. And knew death, alors pas lâché leave Jesus. Même dans ta chute, even même quand tu abandonnes, ceux qui sont toujours là pour t'écouter, those with you. Are your real friends? Those ready for you. Je me sais, no. I know that man. C'est vrai qu'il est tombé aujourd'hui, mais je sais I know that today is down. Parce que tu dis que non, je savais qu'il allait tomber. But not those. Je savais qu'il n'allait pas, pas loin. It will be j'étais là, mais je savais. I was there, but I knew. Parce que dans les relations, il y a ça aussi. Il y a les Judas qui sont autour de vous. Some Judas around you. Justement pour ça. They just come for that. Amen. Dieu est placé pour vous détruire. One place to destroy c'est your life. Des relations. C'est pas tout ce qui rit avec vous qui vous porte le cœur. Laughing with you. Judas, il a dit celui qui mettra. Love you. Effectivement, il mangeait avec Jésus. He was eating with Jesus. Il mangeait Jésus. Judas. Il savait même où attraper Jésus dans le jardin de Gethsémani. He knew when to come Jesus. Il avait l'habitude d'aller prier là-bas. Il dit, je sais qu'à cette heure, c'est à Gethsémani qu'on peut l'attraper. I know that at that time we could find Jesus somewhere. Amen. Alléluia. Donc, il faut faire la part des choses. Amen. Quand quelqu'un est avec toi, il faut comprendre. Someone, il est venu là, il est là pour quoi? Why that person would be? Tu l'as rencontré pourquoi? Why did you meet him? Amen. Amen. Je vous parle de la rencontre prophétique. I'm talking about prophetic conversation. Oh, une rencontre prophétique. Another prophetic conversation. Va t'apporter beaucoup de choses. Dis amen. Has bring you. Tu as quelqu'un la rencontre prophétique. Prophetic. Alléluia. Amen. Une rencontre prophétique doit t'apporter. Prophetic meets you. Nous avons eu l'exemple, il y a eu tout à l'heure un témoignage. Le monsieur était en quête de femme. A man was looking for a woman yesterday. On a cassé son cou, il t'a battu. But they have broken his neck. On casse tout. Quand il a rencontré la femme, when he met the woman, la femme, cette rencontre était une rencontre. That meeting was a prophetic event. Cette femme, il y a eu un fruit, deux enfants. A result. Quand vous rencontrez une personne. When qu'est-ce you qui sort de vos rencontres? Quand vous êtes ensemble, when you are together, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sens qu'il n'y a plus quelque chose de positif, when you don't ce n'est pas true positive. Oh, la rencontre prophétique, but the prophetic c'est pour te rentrer dans une bénédiction. Is to enter in blessing. Dieu ne peut pas te bénir. God cannot bless Dieu you. Dieu ne peut pas déclarer les paroles sur toi. God cannot declare words sans on you rencontre. Without blessing, without bénédiction. Dieu va pas parler. Il va pas prophétiser. Mais pour avoir l'accomplissement de cette parole, il faut que tu rencontres quelqu'un. Il faut que tu rencontres quelqu'un. Alléluia. Il faut que tu rencontres quelqu'un. You need to meet someone. Dieu va pas prophétiser. Il va pas prophétiser. Prophecies. Mais quand tu, si tu ne rencontres pas, if you don't meet, si tu ne fais pas de rencontre, if you don't have meetings, tu vas pas prier. You can even pray. Tu ne verras jamais. You'll never. Cette prophétie se réalise sur ta vie. See, the prophecy will come true. Amen. C'est ça qu'il faut que Dieu nous mette sur nos chemins de perfection. God must give us, bring us. Dimanche passé, je vous ai parlé de la rencontre de Samuel. Last Sunday, I talked about the meeting of Saul with Samuel. Amen. De la rencontre de Saül avec the meeting Samuel. Of Saul with Samuel. Samuel allait voir le voyant. Samuel went to see the one who was Samuel. Il allait voir le voyant parce qu'il avait perdu la vue de son père. Amen. Et arrivé là-bas, when he was there, le prophète, le voyant, va lui donner une parole prophétique. Gave him a prophetical word. Il a rencontré le voyant. When he met, non seulement ça, le voyant va expliquer plus tard, mais le voyant va lui donner une parole. He gave him a word. Rentrer
dans sa destinée. Vous devez rencontrer des gens. You need to meet people. Vous donner une parole. To give you a word. Say it to your neighbor a word. Une parole pour vous réconforter, c'est pas des gens qui des personnes qui vont bring you support. Non, ça va pas aller. Non, il faut que tu rencontres des gens. You need to meet people. Qui vont toujours ça va aller. They'll say. Il faut que tu rencontres des personnes qui vont parler sur toi. Some people. Il faut que tu rencontres des gens qui vont te donner une parole. They'll give you a word. Amen. Amen. C'est ce que Samuel, Saül a fait. That's what Saül. Saül va rencontrer Samuel. He met Samuel. Et Samuel va prophétiser sur lui. And Samuel gave a prophecy. Il ne savait pas ce qui devait se passer. He didn't know what would happen. Il rencontre l'homme. He met the man. Il prophétise sur lui. He gave prophecy. Pour dire. To say. Tu seras roi. You'll be a king. Dis amen. Amen. Il faut que vous rencontrez les gens qui vous diront. You sera béni. On sera béni. Tu vas te marier. You get married. Oui, il faut rencontrer l'homme comme ça. Yes, you need to meet such man. Mais vous marchez, vous rencontrez les gens qui vont vous décourager. Les gens qui vont vous rencontrer. Non, il faut que vous rencontrez les gens. You need to meet people. Quand il a rencontré Samuel, Samuel a dit, tu seras roi. Amen. When he met Samuel, Samuel said, you'll be a king. Tu seras roi. You'll be a king. Tu seras roi. You'll be a king. Et rencontrer ces personnes qui vont vous donner des bonnes paroles. You need to meet some people to give you good words. Ne marchez pas avec les gens qui vont vous décourager. Don't work with people who can discourage. Ne rencontrez pas les personnes qui vont vous donner des fausses paroles. Don't meet people who give you bad words. Ils vous diront des bonnes paroles. But good words. Tu seras roi. You'll be. Mais c'est pas parce que Samuel a parlé. It's not because Samuel has spoken. Et la prophétie s'accomplit. That the prophecy comes quand vous regardez la prophétie de Samuel. Look at the prophecy of Samuel. Lorsque tu me quitteras, tu rencontreras des gens. You'll get me when you come to find people. Quand Dieu donne parole, il crée des rencontres. Amen. When God gives a word, dis amen. Quand Dieu donne une parole, when he gives a word, il crée des rencontres. It creates. Il y a une prophétie, mais n'a pas encore eu. There is a prophecy. Il n'y a pas encore des rencontres. But no meeting. Lorsque tu me quitteras, tu rencontreras deux personnes. When you get me, you'll meet two persons. Deux personnes. On a dit que le chiffre deux. Amen. This number, c'est le témoignage de deux personnes vraies. Il dit tu rencontreras deux personnes. You need two persons. Près du sépulcre de Rachel. Wrong. Nous avons vu ça. Burial place of près du sépulcre de Rachel. Amen. Burial place of Rachel. Qui te montreront le chemin à suivre. And those persons will show you the way. Il veut du repos. Vous devez rencontrer des gens qui vont faire rentrer dans le repos. You need to meet people. We're going to show you it in our own place. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te mettre dans le repos. You need to meet people. We're going to give you rest. Dans cette bénédiction, il faut cette rencontre. You need that meeting. Dans le domaine des affaires, il faut cette rencontre. It's great. Alléluia. Pas parce qu'il a parlé, mais il faut que tu rencontres l'homme qu'il faut. You need to meet the man you need. Amen. Alléluia.